Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous prends depuis la voiture parce que je vais faire des courses et dans cette vidéo en fait ça va être une vidéo retour de courses Lidl, idée repas et meal prep. Donc c'est pour ça que je suis dans la voiture, je vais partir aux courses tout de suite. Je vous montrerai en fait la recette de toute cette semaine, toute la recette que je vais faire cette semaine. Je vais vous montrer, c'est pour ça que je vous montre pas ma liste de courses tout de suite ni menu de la semaine. Pourquoi? Parce qu'en fait vous allez voir les images, je vais vous montrer les étapes de ma préparation et la recette. Comme ça, si ça peut vous donner des idées et vous inspirer, eh bien tant mieux. Je pars aux courses tout de suite chez Lidl et je vous emmène avec moi. Donc voilà les amis, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo de retour de courses Lidl, menu de la semaine, meal prep. Allons-y, c'est parti. Je viens de rentrer des courses, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté. J'ai pris ces trois jus de fruits comme vous êtes en train de voir. J'ai également pris ces deux pots de sauce tomate, je les aime bien, ça me dépanne beaucoup dans la vie de tous les jours. En plus, elles sont vraiment bonnes, donc voilà. J'ai pris également ces deux paquets de pâtes. Là, ce sont des tortilles, j'aime beaucoup. J'ai également pris des tagliatelles comme ça, je vais l'utiliser pour mon meal prep de tout à l'heure. J'ai aussi acheté des contentiges comme ça, j'aime bien la boîte. J'ai pris également mon shampoing à l'avocat qui va très bien avec mes cheveux. Ensuite, je vais vous montrer les deux déodorants que j'ai pris juste pour dépanner. D'habitude, je ne prends pas cette marque-là, mais bon, chez Lidl, c'est des marques un peu comme ça, mais c'est pas grave, ça me dépanne bien. J'ai pris des œufs également, là j'ai pris deux boîtes de 12, donc ça m'a fait 24 œufs. J'ai pris également deux boules de mozza comme ça, deux paquets de yaourt grec, j'ai pris de la feta comme ceci. J'ai pris du jus de pomme, un petit filet de tomates. J'ai pris de l'emmental râpé comme ça et également de la mozza râpée. J'ai pris du sucre et j'ai également trouvé ces deux moulins à poivre, enfin un moulin à poivre et un moulin à 5 baies. C'est vraiment sympa, je les aime beaucoup et c'était pas cher. Donc j'en ai profité. J'ai également pris du beurre, une barquette de pané, j'adore les panés. J'ai pris des tomates cerises comme ça, ils étaient à moins d'un euro, donc j'en ai pris trois barquettes. Donc le filet que je viens de vous montrer là avec les tomates un peu plus grosses. J'ai pris un petit marron pour de la soupe ou la purée, j'aime beaucoup. Une salade verte. J'ai pris un sachet de petits pois comme ça, là il faut que je me dépêche de les ranger. J'ai pris un morceau de gingembre. Deux avocats, j'ai pris ces trios là, j'ai pris ce trio de poivrons, j'adore des poivrons comme ça. J'ai pris ces deux lots de 6 bananes, comme ça, ça va nous faire la semaine. J'ai pris du pain également, moi j'adore prendre du pain chaque fois que je fais des courses et chez Lidl il y a du bon pain je trouve. J'ai également pris deux baguettes en plus. Et là, bah, j'ai pris un paquet d'essuie-tout et ensuite j'ai pris un paquet de papier toilette. Je vais vous montrer le ticket de caisse pour que vous voyez pour combien j'en ai eu.
Donc voilà, j'en ai eu pour 61,66€. Voilà les amis, je passe au rangement des courses. Le rangement et l'organisation des courses terminées, maintenant je vais passer au meal prep. Je vais laver en fait mes tomates, mes poivrons, ensuite la salade verte et je vais préparer également des pâtes et tout ça pour que ce soit prêt pour la semaine. C'est beaucoup plus pratique, donc je vais faire ça tout de suite. Je vais cuire des tagliatelles comme ça, c'est prêt pour la semaine. En fait, je viens de regarder sur le paquet, ça met que 4 minutes à cuire. Donc, j'aurais mieux faire de le laisser comme ça et faire sur le moment, mais c'est pas grave puisque j'avais déjà mis l'eau à bouillir. Bah, tant pis, je les fais cuire et ensuite, bah, je les mets au frais. Ça a été vraiment très très rapide à faire. Je les égoutte comme ça. Ensuite, je vais mettre un peu d'huile d'olive par-dessus, vous allez voir. Je laisse refroidir avant de le mettre au frais. Donc voilà, les pâtes sont maintenant froides. Je les mets au frais et on va passer au idée repas. Donc on va passer à la première recette de la semaine. J'ai préparé sous riz aux fruits de mer ou paella express. Vous appelez ça comme vous voulez. Donc j'ai utilisé un peu de poivron, un peu de tomate, comme vous êtes en train de voir, dans une poêle, pardon, avec un peu d'huile d'olive. Et je viens avec un mélange ou un cocktail de fruits de mer surgelés. Je vais mettre un peu de curry, un peu de mélange de 5 baies. Je laisse cuire 5 minutes et ensuite je viens rajouter du riz blanc.
tout simplement dedans. Il faut mélanger très très bien. Moi j'ai également mis un peu de curcuma par-dessus et c'était hyper bon. Regardez les amis cette assiette. C'est prêt, allez, en 30 minutes, comptant la cuisson du riz. Donc c'est super pratique, c'est super rapide et c'est ultra bon. Je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de l'essayer. On va passer à la deuxième recette de la semaine. Cette fameuse pâte TikTok, donc la pasta TikTok. Je pense que vous connaissez déjà, mais bon, je vais vous montrer un petit peu moi comment j'ai fait. Mais je pense que j'ai fait comme tout le monde. Je mets dans un plat qui va au four des tomates cerises. Ensuite, je vais mettre mon cube de feta. Je viens avec l'huile d'olive, de l'herbe de Provence après. Et bah, mon moulin à 5 baies. Je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez ce mélange de 5 baies, de l'huile d'olive, de l'herbe de Provence. Ça donne ça dans le plat et je vais enfourner pour à peu près 25 minutes. Je vais utiliser ce minuteur là, je l'adore. Il y en a sur le four et sur la plaque, mais je préfère mettre. Là, je viens checker, donc je vois que c'est prêt. Je vais le sortir et je vais casser un petit peu la feta. Et je viens avec mes pâtes que j'ai faites, vous savez, avant-hier, que j'ai mis au frais. Je viens tout simplement mélanger très très bien. Et c'est un plat super simple, mais alors ultra bon. Je vous conseille, en cette fin de saison, vous savez, les tomates ne sont pas ultra sucrées. Elles sont même parfois un peu acides. Rajoutez 2 cuillères à soupe de sucre pour que ce soit moins acide. Je trouve que ça donne un peu plus de goût, pas sucré, mais en tout cas que ça enlève un peu l'acidité. Vous voyez, elles sont super crémeuses, cette pâte. Je les adore, ces pâtes comme ça. Voilà pour le plat de ce soir. Donc super simple, comme d'habitude. J'ai coupé des pommes de terre comme ça en cubes. Je mets un peu d'huile d'olive, un peu de gros sel, des herbes de Provence. Je mélange et j'enfourne pour 35 minutes à 180 degrés. 35 minutes après, les pommes de terre sont comme ça. Je viens ensuite dans une casserole avec du poivron, des tomates. Les oignons, je n'utilise pas trop parce que mon mari ne gère pas beaucoup. Je viens avec 2 carottes que j'ai hachées. Mon hachoir manuel. Je cuis 5 minutes. Ensuite, je viens avec un pot comme ceci de haricots rouges. Je mélange le tout et je mets à peu près 200 ml d'eau et je laisse cuire à feu doux pendant 10 minutes. Donc 10 minutes plus tard, le résultat est là. Super bon. Après, vous assaisonnez comme vous aimez avec des épices que vous voulez. Mais moi, j'ai mis juste du sel et du poivre et ça ira très très bien comme ça. Donc super simple, rapide, servi avec un pot de riz que j'avais déjà au frais. Super bon. Et pour ce soir, je vais préparer un pain à l'ail mais avec une pâte à pizza que j'ai fait dans mon robot. Donc j'ai fait la pâte, je vais laisser reposer un tout petit peu cette pâte. Pendant ce temps, je vais préparer ma soupe de pané, carottes, courgettes, poivrons et tomates, comme vous êtes en train de voir. Ici, j'ai utilisé des courgettes surgelées. En fait, je vais choisir un velouté, un programme velouté de légumes dans mon Thermomix, mais je ne vais pas suivre du tout la recette. Je viens à mettre tous mes ingrédients dedans. D'ailleurs, c'est un peu trop rempli, mais c'est parce que les courgettes sont congelées, mais c'est pas grave, ça va baisser. Je couvre et je programme 25 minutes comme ça. Finalement, comme les courgettes sont congelées, j'ai laissé 35 minutes. Pendant que ça cuit et que la pâte repose, j'ai haché 4 gousses d'ail et j'ai fait fondre 2 cuillères à soupe de beurre. Je viens avec à peu près 2 cuillères à soupe de crème liquide. Je mets le beurre dedans comme ceci. Je
je mets un peu d'herbe de Provence, un peu de 5B comme vous êtes en train de voir, et je mélange très bien. Je réserve, ma pâte est prête, elle a poussé un tout petit peu. Je viens sur mon plan de travail avec à peu près une cuillère à soupe de semoule, très très fin, et une cuillère à soupe de farine. Je prends ma pâte et je la coupe en deux. Et je viens faire ce mouvement de cercle, donc avec la moitié de la pâte que j'ai pris. Ensuite, je tartine avec le mélange que je vous ai montré avant et je viens mettre du fromage, enfin de la mozzarella râpée. Je viens également tartiner un petit peu de l'autre côté et je referme ma pâte comme ceci. Simple comme bonjour. Je viens ensuite avec le restant du beurre de tout à l'heure badigeonner par-dessus. Et avec le dos d'un couteau cisaillé, si on peut dire ça comme ça, de cette façon, je saupoudre d'herbe de Provence et j'enfourne pour à peu près 30 minutes à 180 degrés. Ça dépend des fours, donc voyez avec votre four. Et là, la soupe est prête. Le pain à l'ail est également prêt. Laissez un peu moins de temps à vous vérifier, vous checker en fonction de votre four, comme je vous ai dit avant. Moi, j'ai laissé un peu trop de temps, je trouve. Donc voilà le résultat, les amis. Ce pain à l'ail est juste délicieux. Et voilà pour le repas de ce soir. Super simple, mais super bon. Bon, ça fait beaucoup de super, mais c'est comme ça. Je vous laisserai bien évidemment les recettes en barre d'infos, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Passons au dernier plat de cette semaine. Donc voilà le repas pour ce soir. Désolée, j'ai complètement oublié de vous filmer les étapes de la préparation de cette bolognaise de lentilles, mais je vous laisserai la recette en barre d'infos comme je vous ai dit. Les pommes de terre, c'est comme pour la recette précédente, et le riz, c'est un riz blanc, donc facile. Je vous laisserai toute la recette donc de la bolognaise de lentilles en barre d'infos. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à ma chaîne comme d'habitude. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.